Ce matin, je voudrais que nous fassions une lecture dans l'Évangile de Luc, au chapitre 12 et au verset 13. Luc, chapitre 12 et verset 13. Quelqu'un de la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il répondit à cet homme, « Qui m'a établi pour être juge ou faire des partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » Alors il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et il disait, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes ?»« Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'amasserai aussi tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Le thème de ma réflexion ce matin sera le suivant, être riche pour Dieu. Il y a aujourd'hui, dans notre société moderne, un véritable culte de ce que Jésus appelle le mammon. Mammon, la richesse, l'argent, tout ce qui contribue à la prospérité, au confort, ce qui est la vie, le côté matériel de la vie de l'homme. Nous vivons dans une société qui est matérialiste et qui accorde une importance démesurée à ces choses. Toute la publicité, la propagande dont nous sommes environnés nous exhorte à accumuler des biens parce que le fait de consommer, c'est ce qui provoque pour l'homme le bonheur. Et c'est cette vision fausse, cette vision que Jésus qualifie ici d'insensée, eh bien, qu'il veut condamner dans cette parabole que nous venons de lire. Je voudrais commencer cette réflexion en rappelant un incident qui s'est produit dans les années 70 du siècle dernier. C'était au moment où commençait la piraterie aérienne. Ce fléau a pratiquement disparu aujourd'hui parce que les organisations de l'aéronautique mondiale ont pris des mesures qui font qu'il est aujourd'hui extrêmement difficile de détourner des avions. Mais dans les années 70, lorsque personne ne s'y attendait et que soudain cette épidémie de détournement d'avions, de piratage aérien a commencé à se propager, les pouvoirs publics étaient complètement pris au dépourvu. Et dans ces années-là, il y avait un avion qui faisait la liaison entre Stockholm et Paris. C'était un avion qui voyageait tous les lundis matins. Et c'était un avion qui était essentiellement un avion d'hommes d'affaires. Et lorsque l'avion était décollé, eh bien, les hommes d'affaires sortaient leur ordinateur et leur dossier. Et pendant le voyage, ils travaillaient. Le temps, c'est de l'argent. Et il ne s'agissait pas de perdre un seul instant. Parce que le but de leur vie, le but essentiel de leur vie, c'était d'accumuler des biens, d'accumuler de l'argent, de devenir riche. Alors, tout était bon pour atteindre ce but. Et c'était pour eux une telle passion que même dans ce moment-là, ils ne pouvaient pas s'empêcher de penser à leurs affaires, de réfléchir à leurs affaires et de voir leurs affaires prospérer. Et de fait, la plupart d'entre eux étaient des hommes qui étaient prospères. Et soudain, alors que ce voyage avait commencé, un homme s'est levé, s'est placé à l'avant de l'avion et a sorti un pistolet.
il a annoncé « cet avion est détourné ». Et le premier qui bouge, je l'abats comme un chien. Et soudain, c'était un coup de tonnerre dans un ciel bleu pour ces hommes d'affaires, qui, soudain, réalisaient qu'ils étaient confrontés à quelque chose qu'ils n'avaient pas imaginé, auquel ils n'avaient pas pensé, eux qui ne pensaient qu'à l'efficacité, et qui, soudain, se sont trouvés devant la vie et la mort. Et là, ils ont réalisé que s'ils étaient riches pour ce monde, ils n'étaient pas riches pour Dieu. Ils ont réalisé que, dans quelques instants peut-être, ils allaient se retrouver dans l'éternité. Et là, ils allaient se présenter devant Dieu, riches pour ce monde, certes, mais ces richesses, ils n'allaient pas les emmener avec eux. Et voyez-vous, au travers de l'action de ce pirate, c'était Dieu qui parlait au cœur de ces gens-là. C'était Dieu qui les interpellait. Qu'as-tu fait de ta vie? Quel est le but de ta vie? Quelle est ta motivation, ton espérance? En d'autres termes, tu es riche, oui, mais es-tu riche pour Dieu? Et cela nous ramène justement aussi à notre parabole. Cet homme nous est dit, Jésus lui dit de lui, une parole très sévère, c'est un insensé, un fou, tu es fou. Et pourtant, quand nous regardons ce qu'a été le comportement de cet homme, nous voyons que c'était un homme qui avait beaucoup réfléchi et qui n'était pas justement sur un plan humain un fou et un insensé. Il avait eu cette chance de voir ses terres beaucoup rapportées. Mais le problème, c'est qu'il se trouvait maintenant devant une difficulté. Que faire de tous ces biens qui lui étaient arrivés ainsi? Et ce n'est pas seulement, il était riche non seulement parce que ses terres lui ont beaucoup rapporté, mais parce qu'il a bien su les administrer. Et Jésus ici met en opposition cet homme qui avait su gérer des biens terrestres et finalement ce que pourrait être, ce qu'il aurait pu être s'il avait voulu gérer des biens célestes. Parce que être riche pour Dieu, c'est finalement appliquer dans le domaine spirituel la même stratégie que celle de ceux qui cherchent en tant qu'homme d'affaires à être riche pour le monde. Et d'une certaine manière, en renversant la perspective, cet homme a beaucoup à nous apprendre. Parce que, sur le plan humain, il a agi avec une grande sagesse, avec une grande réflexion, une grande perspective, qui lui a permis justement d'atteindre le but qu'il s'était fixé. Et cette démarche, qui a été la sienne, elle comporte trois niveaux. Premièrement, il a réfléchi. Que vais-je faire? Deuxièmement, il a décidé. Voici ce que je ferai. Et ensuite, il a agi. Il a détruit ses greniers et il en a construit d'autres. Il a utilisé trois principes qui sont les principes de tous les hommes d'affaires, de tous ceux qui veulent réussir dans la vie telle que le monde la conçoit. Mais Jésus nous dit qu'il n'est pas fou parce qu'il a utilisé ces principes, au contraire, mais il est fou parce qu'il ne les a pas utilisés pour le royaume de Dieu. Il les a utilisés pour ce monde et finalement, eh bien, tout cela a été perdu. Trois principes. Premièrement, une réflexion. Cet homme, nous l'avons dit, s'était trouvé en face d'une riche moisson. Et il se pose la question, mais mes greniers sont beaucoup trop petits pour pouvoir engranger toute cette récolte énorme.
qu'est-ce que je vais faire? Une réflexion. Il n'y a pas d'action sans réflexion. Et lorsque nous voulons effectivement devenir riches pour Dieu, il nous faut réfléchir aux moyens de notre action. Que vais-je faire? Que vais-je faire pour devenir riche pour Dieu? C'est parfois une question difficile. Parfois, comme le disait autrefois une vieille prophétie, c'est une confrontation douloureuse. Il faut arriver à une situation où nous pouvons effectivement dire, eh bien, voilà ce que le Seigneur place devant moi. Et il faut décider. Il y a des gens qui passent des années à réfléchir, mais ces réflexions n'aboutissent jamais à une décision. Et le temps passe. Les années, les mois, et finalement, on arrive à un temps où on ne peut plus rien faire. La vie est passée et c'est trop tard. C'était au moment de mai 68, lorsque il y a eu cette agitation estudiantine et que les étudiants ont voulu aller vers les ouvriers pour essayer de les mettre dans leur mouvement. Et les ouvriers se sont moqués d'eux. Ils ont dit, vous, les étudiants, vous passez votre temps à réfléchir, mais vous n'agissez jamais. Alors ça ne nous intéresse pas, votre mouvement ne nous intéresse pas, parce que c'est tout simplement des cogitations, des réflexions intellectuelles, mais ça n'aboutit jamais dans le concret, ça n'aboutit jamais dans l'action. Une réflexion est nécessaire. Que vais-je faire de ma vie? Quel va être le but que je vais me fixer dans ma vie? Et puis, il faut arriver à des conclusions. Et même si c'est une confrontation parfois douloureuse, même si c'est une recherche qui est difficile, il y a un moment où il faut décider. Il y a un moment où il faut trancher. Et c'est ce qu'a fait notre homme. Que ferais-je? Une réflexion. Et puis ensuite, il arrive à un deuxième stade. Je sais ce que je vais faire. Et là, il a décidé. J'abattrai mes greniers et j'en construirai de plus grands. Une action, une décision. Et cette décision était une décision qui, d'une certaine manière aussi, lui coûtait quelque chose. Il a dû détruire et ensuite il a dû construire. Et là, je voudrais évoquer un homme qui a été un très très grand homme de Dieu du siècle dernier. C'était le pasteur norvégien Tibi Barrat, qui a été le véritable fondateur du mouvement de Pentecôte en Europe. Il est celui qui a introduit le mouvement de Pentecôte en Europe. C'était juste après la fin de la Première Guerre mondiale. L'Europe était en ruine et l'Église était aussi dans une situation financière difficile. Et l'Église du pasteur Barrat avait beaucoup souffert de ce qui s'était passé pendant la guerre et elle était aussi pratiquement en ruine et il se demandait comment reconstruire, comment réparer cette Église. La communauté était tellement pauvre qu'on n'avait pas les moyens de ramasser les fonds nécessaires pour réparer cette église. Et à cette époque-là, beaucoup de ces églises qui étaient en difficulté envoyaient des émissaires aux États-Unis, dans les églises américaines qui, elles, connaissaient beaucoup plus d'aisance que les églises européennes pour récolter des fonds. Et c'est ainsi que le pasteur Barrat s'est rendu aux États-Unis pour faire une tournée dans les églises là-bas pour récolter des fonds pour réparer l'église qui était en ruine à Oslo où il était le pasteur. Il a parcouru des milliers de kilomètres aux États-Unis et au bout du compte, ce qu'il a récolté, c'était pratiquement rien, zéro. C'était l'échec et l'échec total. Et il était là
aussi à s'interroger, comme notre homme ici, disant, mais comment se fait-il? J'ai cherché ici à être riche, j'ai réfléchi, j'ai pris une décision, j'ai agi, et je me retrouve pauvre. Et c'est alors qu'il a entendu parler d'un mouvement, qui était le mouvement de Pentecôte. Et il s'est rendu à une de ces réunions, en se disant, bien, perdu pour perdu, eh bien, au moins, je vais essayer de voir ce que c'est que ce mouvement dont tout le monde parle. Et la première réunion à laquelle il a assisté, il a été rempli du Saint-Esprit. Il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Et il est revenu en Norvège, non pas riche d'argent, mais riche d'une autre richesse qu'il n'avait pas, à laquelle il n'avait pas pensé, qu'il n'avait pas imaginé, qui était la puissance du Saint-Esprit. Dieu a pourvu ensuite pour l'église d'Oslo, mais la première chose qui s'est produite dans cette église, ça a été le réveil. Et d'Oslo, le réveil s'est répandu dans tout le pays de Norvège, puis ensuite dans la Scandinavie, et puis en Grande-Bretagne, et enfin dans l'Europe tout entière. Et cet homme, eh bien, qui avait cherché la richesse humaine, est en fait devenu riche pour Dieu, et en a enrichi une multitude. Et parmi toutes les merveilles que Dieu a faites par le ministère de ce grand homme de Dieu, ce grand homme de foi, c'est quelque chose qui s'est produit à Copenhague quand le réveil est arrivé au Danemark. Tibi Barat, avec l'audace de la foi qui le caractérisait, avait loué le plus grand théâtre de Copenhague pour y tenir des réunions de réveil. Mais sa réputation l'avait devancé. Et dans le royaume du Danemark, dans la presse, dans même des églises, il y avait une farouche opposition au message du pasteur Barat. Et la presse de Copenhague s'était déchaînée contre lui, le traitant d'imposteur, de menteur, de charlatan. Bref, il avait une campagne qui était terrible contre lui. Et pourtant, le pasteur Barat ne s'était pas découragé. Et le premier soir de cette campagne qu'il avait programmée est arrivé. Et le grand théâtre de Copenhague était plein à craquer. Mais plein à craquer d'une foule hostile, qui hurlait et qui vociférait des slogans hostiles au ministère du pasteur Barat, qui s'apprêtait à le conspuer de mille et mille manières. Lui, bien sûr, avec une petite équipe de frères et de sœurs priaient dans une salle annexe. Et quand l'heure de la réunion est venue, il s'est présenté sur l'estrade. Alors ça a été un concert de ouh, de sifflets, d'injures de toutes sortes, même on lui lançait des projectiles divers. Lui ne s'est pas découragé. Tibi Barat était aussi, avant sa rencontre avec le Seigneur aux États-Unis, un grand musicien. Il avait été élève du célèbre compositeur norvégien Edvard Grieg, et il était un virtuose à la fois au piano et au violon. Et lorsqu'il est entré sur la scène de ce grand théâtre, il avait un piano qu'il avait fait mettre. Il s'est assis au piano, et il a commencé à jouer un cantique. Et le Saint-Esprit est descendu pendant qu'il jouait ce cantique. Et cette salle qui était hostile, cette salle qui était fermée à l'Évangile, soudain s'est calmée. Un grand silence s'est fait. Et les cœurs étaient préparés pour entendre le message que le pasteur Barat a apporté. Et il a pu prêcher l'Évangile librement, sans aucune opposition. Et à la fin de sa prédication, il a fait un appel, disant s'il y a ici des personnes qui veulent donner leur vie au Seigneur, eh bien qu'elles s'avancent sur le devant de la scène ici, je prierai pour elles. Et il y avait dans cette assistance une jeune femme, une jeune fille, qui était très célèbre au royaume du Danemark. Elle s'appelait Anna Parker. Et c'était une actrice
bien très connue, une actrice de cinéma, de théâtre, très connue, chanteuse, elle chantait très bien. C'était une vedette, une des grandes vedettes du royaume du Danemark. Et elle était célèbre, elle était jeune, elle était belle, elle était riche, elle avait du talent, elle avait du succès. Bref, tout ce que les hommes appellent le bonheur. Elle avait tout. Riche, véritablement riche. Mais lorsque le pasteur Barat a fait cet appel, a donné sa vie au Seigneur, elle a été la première à se lever et à s'avancer sur le devant de l'estrade. Et ce soir-là, cette femme s'est donnée au Seigneur. Et ça, ça a été pour tous ces gens qui se trouvaient dans ce théâtre quelque chose de bouleversant, parce que tout le monde la connaissait. Et quand on l'a vue, elle, s'avancer la première, alors c'était quelque chose qui a stupéfait toute l'assistance. Et le bruit s'est répandu de ce qui s'était passé pour cette Anna Parker, qui était la vedette par excellence du royaume du Danemark à cette époque-là. Et le lendemain matin, cette femme s'est rendue vers son producteur de cinéma, de théâtre et de chansons. Il lui a dit « Je donne ma démission ». Son producteur était absolument bouleversé. Il dit « Quoi ? Tu vas briser ta carrière ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vas quand même pas me dire que c'est ce qui s'est passé hier, dans ce théâtre ? Il paraît que tu t'es levé la première. » Elle dit « Oui, et c'est à cause de ça, effectivement, que je donne ma démission. » « Mais tu vas tout perdre, tu te rends compte de ce que tu fais ? Tu vas devenir pauvre ? Tu vas briser ta carrière ? Ta célébrité, tout ça, tu es en train de gâcher ta vie si tu prends cette décision stupide. Tu es folle d'agir comme ça. » Et cette femme a répondu « Non, je suis sage au contraire. J'ai trouvé une autre richesse, une richesse plus importante que tout ce que j'ai. » Et finalement, elle a tenu ferme. Son producteur dit « Mais écoute, c'est parfaitement compatible. Bon, admettons que tu aies envie de devenir chrétienne. C'est un peu farfelu, c'est loufoque. Mais enfin bon, soit, admettons. Mais ça t'empêche pas de continuer ta carrière quand même. » Elle a dit si, c'est incompatible. Je ne peux plus chanter les chansons du monde. Je ne peux plus jouer les femmes adultères dans les films et dans les pièces de théâtre. C'est terminé pour moi. Maintenant, j'ai une autre orientation, j'ai un autre but dans ma vie. » Et cet homme était complètement estomaqué, il dit « Mais elle est folle, c'est pas possible. » Et finalement, elle a tenu ferme. Peu de temps après, elle a rencontré un jeune évangéliste, ils se sont mariés, et ils ont acheté une caravane. À cette époque-là, c'était encore entre les deux guerres mondiales. C'était une caravane qui était tirée par des chevaux. Et ils avaient donc aménagé à l'arrière de la caravane une espèce de petite estrade comme celle-ci. Il y avait un pupitre. Et avec son mari, ils allaient de ville en ville, de village en village, dans tout le royaume du Danemark. Et là, elle chantait, non plus cette fois-ci les chansons du monde, mais les louanges du Seigneur. Elle avait une très belle voix, puisqu'elle était donc aussi une chanteuse d'opéra, et son mari ensuite prêchait l'Évangile. Et c'est ainsi que l'Évangile s'est répandu dans le royaume du Danemark. Riche pour le monde ou riche pour Dieu. Elle avait accepté de renoncer à tout ce que le monde pouvait offrir au point de vue richesse pour obtenir une richesse plus grande et se présenter devant le Seigneur avec une abondante moisson d'âme, quand le temps était venu pour elle de rejoindre le Seigneur. Par opposition à cela, je voudrais évoquer ici aussi une vedette française. Les plus jeunes ne le connaissaient pas, peut-être les anciens se souviendront de lui. C'était un humoriste, un grand humoriste français. Il s'appelait Fernand Reynaud. Et c'était effectivement quelqu'un qui avait un talent extraordinaire. Il avait commencé en bas de l'échelle sociale, comme simple ouvrier dans une usine. Et comme il avait,
comment tu pourrais dire, une tête d'imbécile. Eh bien, tout le monde se moquait de lui. Seulement, c'était un homme qui, sous ses apparences, était très intelligent. Et il s'est dit, tiens, puisque j'ai une tête d'idiot, je pourrais peut-être en profiter. Et il a commencé à faire l'idiot et à faire rire les gens. D'abord ses camarades de travail, puis ensuite on l'a invité pour les mariages, pour animer un peu le mariage avec ses pitreries. Et c'est ainsi qu'il est devenu célèbre. Et à la radio, à la télévision, Fernand Reynaud était partout. Et celui qui avait commencé en bas de l'échelle sociale est devenu infiniment riche grâce à ce talent d'humoriste extraordinaire qui était le sien. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 46 ans, il était à la tête d'une fortune immense. Et il a dit, je prends ma retraite. 46 ans. Et il a dit, eh bien, finalement, je vais profiter pendant le reste de ma vie de tous ces biens que j'ai accumulés. Et finalement, il a eu exactement le même discours que l'homme de notre parabole. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Mange, bois et réjouis-toi. Et son but, c'était que sa vie, maintenant, ne soit plus qu'une grande fête jusqu'à son dernier jour. Et à l'occasion de son 46e anniversaire, jour où il allait prendre sa retraite, il avait rassemblé tous ses amis, tous ses parents, pour un grand banquet, un grand festin, par lequel il disait aussi adieu au spectacle. Mais évidemment, c'était très différent d'Anna Parker dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce soir-là, donc, ils avaient bu, ils avaient ri, ils avaient mangé. Ils avaient tellement bu que Fernand Reynaud avait bu un peu trop. Et le soir, la fête terminée, rentrant chez lui, il avait repris sa Rolls parce qu'il avait une Rolls. Et un de ses amis, il avait vu tituber, il dit, mais tu peux pas prendre le volant comme ça, c'est dangereux. Il dit, si, il n'y a pas de problème. Et c'est ainsi qu'il était parti. Et il avait, comme il a été, il n'avait plus les idées très claires, il a pris l'autoroute à contresens. Et à 160 à l'heure sur l'autoroute, il a percuté une voiture qui venait en face. Mort sur le coup. Tu es fou, insensé. Tu as dit, mon âme, tu as beaucoup de biens, pour longtemps, mange, bois et réjouis-toi, ta vie ne sera plus qu'une longue fête, beaucoup de biens, en réserve, pour de nombreuses années. Il pensait avoir de nombreuses années devant lui. Et Dieu lui a dit, fou, tu es fou, ce soir même, ta vie sera redemandée. Et cette longue retraite que tu pensais, eh bien, elle va se terminer tragiquement. Et je pense que ça aussi, ça a été pour les Français qui connaissaient cet homme, une interpellation de Dieu. Et comme le disait Jésus, il en est ainsi de tout homme qui est riche pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Et c'était le deuxième point. Je reviens à notre parabole et notre homme. Il a réfléchi, et ensuite il a décidé. Et puis enfin, il a agi. Parce que il ne suffit pas simplement de décider, mais il faut agir. Il y a une petite histoire, une petite boutade, comment dirais-je, une devinette plus exactement. Il y a 5 oiseaux sur une branche. Il y en a 3 qui décident de s'envoler. Combien en reste-t-il? 5. Pourquoi? Parce qu'ils se sont contentés de décider. Si la décision ne débouche pas sur une action, alors c'est quelque chose qui ne sert à rien. Et là, notre homme, lui, il n'a pas été comme cela. Non seulement il a décidé, mais il a agi. Et
il a dit, eh bien, voilà ce que je vais faire. Je vais détruire mes greniers et je vais en construire de plus grands. Et ça, c'était sur l'implant humain, une décision parfaitement sage. C'est quelque chose aussi que le Seigneur avait dit à Jérémie. Quand Jérémie avait été appelé au ministère prophétique, le Seigneur lui avait dit ceci, « Je t'établis aujourd'hui pour que tu détruises, pour que tu arraches et pour que tu ruines, et après pour que tu construises et pour que tu plantes. » Voyez-vous, la sagesse humaine et la sagesse de Dieu impliquent ce double mouvement. Ici, c'est cet homme insensé qui voulait être riche pour lui-même, qui a compris que pour pouvoir obtenir son but, être riche dans ce monde, il fallait qu'il détruise et ensuite qu'il fallait qu'il construise. Mais au prophète, l'homme de Dieu, lui, auquel le Seigneur place, devant lequel le Seigneur place un autre but, être riche pour lui, le Seigneur lui dit aussi, il faut que tu détruises et que tu reconstruises ensuite. Détruire pour reconstruire. Il faut toujours qu'il y ait des choses qui soient détruites dans nos vies. Parce que le monde, eh bien, s'emploie, s'acharne à construire des réalités qui s'opposent à l'appel de Dieu. Et voyez-vous, là aussi, cet homme, néanmoins, a eu une faille dans son raisonnement. Son raisonnement était juste, mais il y a eu ensuite une faille quand il a dit, j'en parlais tout à l'heure avec ce grand humoriste que j'évoquais, « Mon âme, repose-toi ». Il est intéressant de noter que la traduction allemande de Luther dit ceci, « Ma chère âme, dit Liebe en allemand. Ma chère âme. » Ça veut dire ce moi que je cajole, ce moi que j'aime. Et finalement, ma richesse, c'est pas le but en soi. C'est que mon moi, ma chère âme, puisse se reposer, puisse jouir de toutes ces choses. Et voyez-vous, ça c'est le langage de l'adversaire. Repose-toi. C'est l'esprit du monde, l'esprit de Satan qui parle ainsi. Qui parle ainsi dans un moment qui est un moment extrêmement dramatique. Au moment où aussi le Saint-Esprit parle, comme il le faisait pour ces hommes d'affaires qui étaient dans cet avion que j'évoquais tout à l'heure, quand le pirate se trouvait en face d'eux avec ce pistolet, c'était un moment privilégié, c'était un moment précieux, parce que c'était un tournant dans la vie de ces gens-là. Eux aussi, ils étaient sur cette voie de cet homme insensé dont nous parle la parabole, et soudain, le Seigneur leur montre qu'il y a une autre voie possible. Il y a un choix, c'est un moment précieux, c'est un moment donné par le Saint-Esprit. C'était ce moment que Hannah Parker a saisi, quand à l'appel de Tibi Barat, elle se levait pour abandonner son ancienne vie de vedette, pour devenir une humble servante du Seigneur. Elle a fait le bon choix. Amen. Et ce sont des moments privilégiés, des moments précieux. Mais dans ce moment-là aussi, bien sûr, il y a un autre esprit qui parle. Il n'y a pas que l'Esprit de Dieu. Et cet esprit-là, l'esprit du monde, dit « Ma chère âme ». Comme l'avait fait justement ce producteur à Hannah Parker, quand tu lui as dit, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Tu es en train de ruiner toute ta carrière. Tu es en train de détruire tout ce que tu as construit. Oui, il faut que tu détruises. Elle l'avait compris. Il faut que tu détruises ces choses dans ta vie.
ces choses sur lesquelles tu as construit ta vie, ces choses par lesquelles, justement, tu veux être riche pour ce monde, parce que tu ne peux pas être riche pour ce monde et être pour Dieu. Tu ne peux pas servir de maître, tu ne peux pas servir Dieu et le mammon, et il faut que tu détruises avant de reconstruire tout ce qui appartient justement au mammon. Mais l'esprit de l'adversaire dit ceci, pas trop de fanatisme, il faut de l'équilibre. Et comme le disait ce producteur, après tout, bon, tu peux servir le Seigneur, mais tu peux continuer aussi ta carrière. Elle avait compris, non, c'est incompatible. Il faut que tu détruises le Saint-Esprit, pas autrement. Et je me souviens de cette prophétie qui m'avait beaucoup marqué il y a déjà de très nombreuses années. Il faut que tu détruises dans ta vie les colonnes sur lesquelles ta vie repose. Ces colonnes qui sont des colonnes vermoulues, qui sont des colonnes sur lesquelles les hommes et les femmes s'appuient, les hommes et les femmes de ce temps, mais qui un jour seront toutes détruites par la dynamite de Dieu, cette dynamite qui est déjà en marche. Alors n'attends pas que ce soit la dynamite de Dieu qui détruise ces colonnes sur lesquelles tu veux construire ta vie, détruis-les toi-même, afin de reconstruire sur des choses qui soient solides. Parce que il y a des systèmes dont nous dépendons. Et il ne faut pas en dépendre, justement. Il ne faut pas de compromis. Mais c'est du fanatisme, c'est extrémiste, c'est légaliste, oui. Il y aura toutes sortes de pensées qui viendront de ce type-là, et qui viendront peut-être de chrétiens « équilibrés » entre guillemets qui t'entourent. Mais il y a avec le Seigneur un radicalisme qui s'impose si nous voulons justement obtenir le prix de la vocation céleste. Paul n'avait pas fait de compromis quand il s'était trouvé aussi à ce tournant sur le chemin de Damas. Et Dieu lui avait dit « Je serai avec toi et tu seras riche pour Dieu ». C'est ce qu'il avait dit à Jérémie aussi, quand Jérémie lui avait dit « Mais je suis un enfant, je ne sais pas parler ». Le Seigneur avait dit « Mais je serai avec toi pour te délivrer ». Il y aura des temps de guerre, il y aura des oppositions, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Ça, c'est le vrai courage. Il y a parfois prendre parti contre soi-même. Et ce sont justement ces confrontations douloureuses dont nous parlons tout à l'heure. Pour terminer, je voudrais raconter une autre histoire qui justement permet d'illustrer aussi cette exhortation du Seigneur à être riche pour Dieu. C'est une histoire qui est un peu une sorte de conte de fées pour les enfants. Mais il est bon de redevenir des enfants parfois. Et c'est l'histoire d'un roi au Moyen-Âge. Et les rois, à cette époque-là, avaient ce qu'on appelait des fous, les fous du roi. Et c'était des gens qui avaient la possibilité, parce qu'on savait qu'ils étaient dérangés, d'interrompre le roi, de dire n'importe quoi, même des choses qui sont négatives, et on en riait parce que ça venait du fou. Et ce roi avait un fou, qui était un homme qu'il aimait beaucoup, et il avait l'habitude de lui dire ceci, « Mon cher fou, tu es le plus grand fou que j'ai jamais rencontré. Je ne connais pas quelqu'un qui soit plus fou que toi. » Et le fou était très fier de ça. Et un jour, le fou est venu voir le roi et il lui a dit « Majesté, j'aimerais bien voyager un peu. Est-ce que vous m'accordez un congé ? Et je vais faire un long voyage et puis quand j'aurai fini ce voyage, je reviendrai me mettre à votre service. » Alors il a dit « D'accord, tu peux aller. » Mais voilà, il dit « J'aimerais bien savoir si dans ce grand voyage que tu vas faire, tu trouves éventuellement quelqu'un qui est plus fou que toi. Alors je vais te donner un sceptre d'or, et si dans tes voyages tu rencontres quelqu'un qui est plus fou que toi, tu le lui donneras. Comme ça je saurai quand tu reviendras qu'il y a des gens qui sont plus fous que toi. Mais j'en doute. »
Et donc, le fou a pris le sceptre et il est parti. Plusieurs années sont passées, et au bout de plusieurs années, le roi est tombé gravement malade. Il était à la mort. Et soudain, le fou est revenu au moment où le roi ne s'y attendait pas. On lui a annoncé que son fou était revenu. Il était très content de revoir son fou, le roi. Alors il a demandé à ses serviteurs qu'on introduise le fou dans sa chambre. Et le fou est entré. Et le roi lui a dit « Comment ça va ?» Il a dit « Ça va très bien. » « Et vous, majesté ?» a dit le fou. Et le roi a répondu « Ça va pas. Je vais partir pour un voyage dont on ne revient pas. » Et le fou lui a dit « Majesté, vous vous êtes préparé pour ce voyage ?» Et le roi a dit « Préparé pour ce voyage ? Mais je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Ben, le fou a dit « Moi qui suis fou, quand je suis parti en voyage, avant de partir, je me suis préparé. Vous, vous me parlez d'un voyage encore plus important, un voyage dont on ne revient pas, et vous ne vous êtes pas préparé. » Et le roi a répondu « Écoute, je ne comprends absolument pas un seul mot de ce que tu es en train de me dire. Je reconnais là que tu es véritablement fou, parce que je ne comprends pas se préparer pour ce voyage. » Et le fou lui a dit « Majesté, vous m'avez donné un sceptre quand je suis parti, un sceptre d'or, avec mission de le remettre à quelqu'un qui serait plus fou que moi. Ce sceptre, il est là, voyez. Je l'ai ramené, parce que pendant tout mon voyage, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui était plus fou que moi. Mais maintenant, voyez-vous, ce sceptre, je vous le donne. Parce que j'ai trouvé quelqu'un qui est plus fou que moi, c'est vous. Tu es fou, insensé. Ton âme te sera trop demandée. Et tout ce que tu auras accumulé, à quoi cela servira-t-il? Comment entreras-tu dans la gloire céleste avec toutes ces choses? Vous ne pouvez pas servir de maître, vous ne pouvez pas servir Dieu et le mammon. Il y a un choix. Être riche pour Dieu, alors ça implique effectivement ces trois démarches que nous avons expliquées. Réfléchir, une confrontation douloureuse, une décision, voici ce que je ferai, et une action, je détruirai et je reconstruirai sur des bases solides. Et là, eh bien, je serai riche pour Dieu, riche pour l'éternité, une richesse qui ne disparaîtra jamais. Là, je serai sage, je serai cet homme qui a construit sa maison sur le roc et non pas sur le sable. Et lorsque cette dynamite de Dieu est venue, cette tempête, alors cette maison est restée. Ainsi en est-il de celui qui écoute les paroles que je dis, dit Jésus, et qui les met en pratique. Et Jésus a demandé, avez-vous compris? Ils ont répondu, oui. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous allons prier. Amen. Tu nous invites, Seigneur, à être riches, non pas pour nous.